Je suis Philippe Lattès, je suis l'importateur exclusif du chantier Azimut pour toute la France et Monaco. Nous sommes basés à Cannes, Golfe-Juan et Monaco principalement, mais nous vendons dans toute la France, bien entendu. Nous avons des clients un peu partout, principalement sur la Côte d'Azur, mais nous avons aussi dans l'Ouest ou en Atlantique, du côté d'Arcachon ou La Rochelle, par exemple, des clients. Nous vendons, bien entendu, en priorité des bateaux neufs. Nous faisons aussi tout ce que nous appelons brokerage, c'est-à-dire les bateaux d'occasion, le charter, l'entretien, tout service lié au bateau, bien entendu. Donc nous sommes à bord du tout nouveau Magellano 43 Azimut, un bateau style semi-déplacement qui s'assimile à un trawler, mais nouvelle génération, un bateau qui consomme beaucoup moins que des bateaux flybridge traditionnels, qui est aussi un bateau donc qui a une grande autonomie de ce fait et qui touche un nouveau type de clientèle. Qui veut faire plus de croisières, avoir plus de confort. Donc nous avons dans cette gamme-là trois modèles pour l'instant. Un 43 pieds, celui-ci, qui est une version avec hardtop destinée plus pour l'Atlantique et les pays nordiques. Nous avons un modèle exactement identique avec un flybridge qui se vend plus en Méditerranée. Nous avons ensuite un 50 pieds, un bateau donc de 15 mètres, et un 76 pieds, un bateau beaucoup plus gros, au-delà de 25 mètres. Et la gamme va s'étoffer, bien entendu. Ce bateau est équipé donc de deux cabines, plus une troisième cabine qui est une cabine de rangement qui peut être éventuellement faire office d'une troisième cabine invitée. Nous avons deux salles de bain avec des douches indépendantes très spacieuses. Nous avons une hauteur sous barreau dans tout bateau, donc une personne qui fait plus d'1m80 se tient debout sans aucun problème. Le bateau est équipé de toute l'électronique, tout ce qui est nécessaire à la navigation, radar, GPS, pilote automatique, propulseur. Nous pouvons éventuellement installer sur ce bateau aussi des stabilisateurs pour la navigation, ce qui est maintenant aussi de plus en plus demandé. Donc c'est un bateau qui est très convivial et qui convient à une famille pour 4, 5, voire 6 personnes à bord. Le Magellano 43 est un nouveau concept à semi-déplacement, un bateau donc équipé de moteur Cummins 2x355 chevaux en ligne d'arbre, donc transmission classique. C'est un bateau qui est un concept assez révolutionnaire dans le sens où c'est un bateau fait pour la croisière, qui a une vitesse maximum de 22 nœuds. Un bateau en croisière qui marche entre 10 et 18 nœuds avec une consommation relativement faible. Nous nous situons dans une gamme de produits haut de gamme. Donc il est certain que nous sommes plus chers que certaines marques françaises notamment. L'architecte, le designer est un architecte très connu hollandais qui s'appelle Rod Dekover. Un architecte spécialisé dans ce type de bateau. Très racé avec l'avant, vous avez pu noter droit, style un peu expédition, qui lui donne un look très particulier. Ce bateau peut être peint de différentes couleurs. Bon, ici nous avons une peinture assez originale, un gris métal foncé. Comme vous pouvez voir, donc ce Magellano 43 est un bateau très raffiné, avec beaucoup de détails. On peut personnaliser ce bateau selon les goûts de chacun. On peut changer les tissus, les cuirs, avoir du bois au sol. Il y a un choix très très vaste. Bon, c'est italien, donc un bateau avec beaucoup de goût et qui a beaucoup de cachet et qui se démarque d'autres bateaux, notamment en France, plus traditionnels. Cette gamme de produits correspond tout à fait au Salon Nautique de Paris. On n'exposait plus depuis quelques années ici à Paris. Donc là, nous sommes très satisfaits d'être présents avec ce Magellano 43. C'est un bateau qui rencontre un grand succès. On a une clientèle assez internationale, aussi bien française qu'anglaise ou belge, allemande, qui vient visiter le bateau. Ça fait maintenant 18 ans que nous distribuons toute la gamme Azimut en France. Et ce chantier est de renommée internationale et mondiale, connu dans le monde entier.